Investigateur de Yves à Chanel, très très heureuse de vous retrouver et bienvenue pour un autre numéro de Fashion Police Africa. Et oui, c'est encore moi, la DAF de la mode, Doja Ndiaye, en compagnie du plus beau, l'unique, le seul chroniqueur. Bonjour Brian. Bonjour Doja. Tu vois ta chanson, je commence à maîtriser. Hein. Et ça fait plaisir, ah, ça fait plaisir d'entendre. Merci pour les éloges. Ah oui, tu vois, et merci d'être aussi stylé que ça. Tu vois? Maintenant, bah, je pense que tu as une collection cachée de pyjamas revisités. Et ce qui est fou, c'est que tu ne veux pas partager. Non, en fait, ce n'est pas ça. Non seulement, ce n'est pas de moi et tout. Et je pense qu'on a été aujourd'hui habillés par la même styliste. Ouais, sauf qu'on dirait que aussi les designers qui viennent font, je ne sais pas moi, sont que d'un seul côté. Et voilà. J'ai toujours pas de pyjamas revisités. Tu t'imagines? C'est bizarre quand même. Oh là là, quand même, hein, c'était tendance à un moment, là, c'est toujours tendance même, hein, toujours. Et va savoir jusqu'à quand, et j'en n'en ai toujours pas. C'est pas juste. Pas juste. Mais d'ailleurs, toi aussi, tu as abordé une super robe qui te Merci beaucoup, merci. Comme tu l'as dit tout à l'heure, on est habillé par la même styliste, Faouli, qu'on remercie de passage. Elle n'est pas présente, elle n'est pas avec nous, parce qu'elle fait partie de ceux qui ont peur de la caméra. Bien sûr. Mais on est là, en tout cas, voilà. Et c'est comme si elle était là. Elle ou il, d'ailleurs? Elle. Elle? Ouais. Ah, cool. Ah ben, c'est comme si elle était là et voilà, on la représente super bien. À de travers ses œuvres. Ses œuvres, vraiment, ce boubou est magnifique, j'adore. Et alors, ça fait longtemps que je n'ai pas de foulard. Donc. Et c'est les assorti avec les chaussures, tu vois, c'est magnifique, non? Avec cette chaleur, ça fait du bien. En plus, je ne suis pas très tapette, moi, donc ça me va. En mode décontracté. Décontracté, carrément, à fond, c'est trop cool. Et un pagne, tu sais? C'est vraiment rare maintenant de voir ceux qui font ceux qui utilisent maintenant carrément le pagne. Quand je parle de pagne, je parle de ce qu'il y a à l'intérieur de la tenue. En fait, là, carrément, comme le font nos mamans, bah, c'est vrai que nous, on ne sait pas comment faire. Pour moi, c'était galère. Mais oui, d'attacher le truc là, ça ne tient pas vraiment. Mais ça me fait plaisir, en fait, parce que ce sont des choses super traditionnelles qui voilà, ne doivent pas disparaître quand même. Et voilà, exactement. Et avec la chaleur, là, très sincèrement, c'est mieux qu'un pantalon. C'est assez pratique. Non, c'est mieux qu'un pantalon, carrément. Hein. C'est vraiment nickel. Et toi aussi, avec toi, elle a fait plutôt un travail de ouf. C'est magnifique et surtout les imprimés, j'adore. Ouais, ouais. J'adore ce côté, tu vois, sans effort et puis qui est à la fois confortable et stylé. Et comme tu l'as dit, c'est assez soyeux, c'est assez léger et tout. Et c'est vraiment idéal pour cette période estivale et tout. Ouais, avec carrément. Cette chaleur, là, quand tu abordes ça, voilà, quoi, tu peux aller partout avec. Partout, et surtout, en fait, tu vois, c'est ce qui est cool, en fait. Tu vas partout avec ces tenues. Exactement. Et ça laisse vraiment l'air circuler et puis ça fait du bien. On a quoi. Besoin on de adore. Ça. On a besoin de ça. Carrément, il fait chaud. Alors sinon, on va où cette fois-ci? Bon, aujourd'hui, on va faire un tour du côté de Los Angeles en Californie, où s'est tenue la 22e édition des Beach Awards. Voilà, donc aujourd'hui, on va décortiquer 5 looks de fashionistes afro-américains arborés sur le tapis rouge. Yes. Sur ce, cher ami téléspectateur, les BET Awards ont été créés en 2001 par la chaîne Black Entertainment Television pour récompenser principalement les Afro-Américains et autres minorités dans divers domaines de divertissement. Sur ce, nous passons directement au premier look du jour. C'est parti. Premier look du jour, Fally Ipupa dans un look assez décontracté. Exceptionnel quand même, hein, ce look-là. Ouais, très exceptionnel. C'est un look assez atypique et surdimensionné. Oui, et comme tu l'as dit, décontracté. Moi, je dirais que Fally Ipupa, c'est le roi des styles décontractés. Quoi. Il adore ça. Oui. Il adore ça. Et c'est d'ailleurs lui, avec la tendance des pyjamas, il a mis à un niveau vraiment avancé et déplacé. Il a toute une panoplie de cet ensemble-là et tout. Et voilà, il est resté fidèle à lui-même. En arborant ce genre de style, tu vois, c'est sans effort et tout. Et on sent que voilà, il est tellement à l'aise dans ce qu'il porte et tout. Et il y a à la fois le flow et la dégaine. C'est sans forcer, quoi. Il est là, stylé, frais et tout. Franchement, j'adore son look. Et je tiens à préciser que son look est composé d'un blazer surdimensionné, d'un pantalon bouffant et des crocs épais, blancs et tout. C'est un bon mélange et tout. Et après, que dire de cette chaîne-là qui est là autour de toi. Qui dépasse un peu en bas, là. Voilà, et aussi ce sous-vêtement qui dépasse un peu en bas. Et ces lunettes de soleil qui vient
embellir le look, on va dire. Bon, en fait, ce que je vois que tu avais hâte de parler. Ouais. T'adorais ce look-là. Là, même, bien je sûr, bien sûr. Et je me vois, pris sur le coup. Hein. Ouais, je me verrais bien dedans, sans mentir. Oui, carrément. Ouais. Non, mais très sincèrement, en fait, il y en a qui ont l'art de ne pas respecter, je sais pas moi, l'ordre des choses, genre. Là, il a fait ce qu'il voulait. Mm-hmm. Tu sens qu'il s'est amusé. Il a créé un look qui lui est propre et un look vraiment, vraiment magnifique. Beaucoup de gens n'iraient pas au BT Awards avec ce genre de look. Hein. Ouais. Peut-être avec ce genre de look, mais avec d'autres chaussures. D'autres chaussures, là, tu vois. Surtout ces chaussures-là, ouais. Il a vraiment osé. Et osé. Moi, c'est cette audace-là que je salue. Exactement. Très sincèrement. Et j'adore ce style. Genre, je m'en fous. Décontracté, mais. En fait, décontracté, mais à fond. En même temps, c'est un beau mélange. Mm-hmm. Parce que ce blazer qu'il a. Mais j'adore ce blazer. Le blazer, mais il est stylé de ouf. Non, mais très sincèrement, ouais. J'adore les détails au niveau des bras et même au niveau de la poitrine. Non, mais j'adore ce blazer ouais. Et ces chaussures. C'est comme moi quand je traîne avec les chaussures de mon père. Il en a comme ça. Ils sont tellement gros en plus qu'ils dépassent. Je t'assure, c'est comme toi qui décides de te la jouer à la Dof et tout. Quoi, c'est tu ça, vois. En fait, j'adore ce qu'il a porté. Ce côté négligé là, apporte quelque exactement. Chose au look. Exactement, voilà, t'as trouvé le mot. Hein, ouais, très ouais. Sincèrement. La chaussure apporte ce côté négligé qui. Voilà. Ouais, il y en a qui savent vraiment ne pas respecter les règles en même temps rester quand même dans l'ordre des choses. Ouais, ça, oui. C'est ça vraiment cool. Uh-huh. Et j'adore ce style. Je pense qu'on a tout dit par rapport à ce style. Il est tout simplement nickel. Uh-huh. Et sinon, tu lui donnes une note de combien? Un 7. Un 7? Uh-huh. Ok, je vais te rejoindre. À cet aussi. Et nous passons au prochain look. Deuxième look du jour, Marseille Martins en Dolce & Gabbana dans une robe très classique quand même. Uh-huh. Et jolie aussi. Hein. Je pense qu'elle, bah, déjà, ça fait longtemps qu'elle a fait son apparition dans le milieu. Là, je pense qu'elle s'essaie à beaucoup de choses. Elle est en train de se chercher plutôt. Ouais. Et on croise les doigts, on espère que ça va aller. Sauf que là, j'aime bien le style. Hein. Ouais. Il est assez simple, sauf que je trouve qu'elle aurait pu mieux faire quand même. Ouais, elle aurait pu mieux faire. C'est un look assez minimaliste et tout, comme tu l'as dit. Mais après aussi, elle vient d'apparaître. Elle vient de débuter, on va dire, débuter, dans le milieu. Il faut préciser qu'elle n'a que 17 ans. Ah oui, et comme tu l'as dit, c'est la transition entre, tu vois, l'enfance et l'âge adulte. Donc, c'est tout à fait normal qu'elle s'essaye à tout et à n'importe quoi. On va être assez, assez indulgent. On va lui laisser encore le temps et tout. Je parie qu'à cette allure d'ici, voilà. 2 ou 3 ans, elle va prendre ses repères et elle sera une grande fashionista dans l'âme et tout. Voilà. On espère qu'elle suit les pas de Zendaya. On espère. Même flow, hein. C'est dans ce même flow, ouais. En tout cas, c'est une gamine qui est quand même assez belle, simple et tout ça. Donc elle a un très beau visage, donc on espère qu'elle va se chercher, qu'elle se trouvera, qu'elle se servira de ses looks magnifiques. Sinon là, c'était assez classique, simple, minimaliste, comme tu l'as dit. Ouais. En tout cas, on croise les doigts. Oui, mais malgré tout, je trouve assez magnifique cette robe Dolce & Gabbana personnalisée, argentée avec ce ourlet de frange et ce bretelles simples spaghetti et tout. Mm-hmm. Ça lui va à ravir. Elle a associé à des sandales compensées. Oui, j'aime bien. J'aime. C'est un bon mélange. Les bouges qu'ils font avec le tapis rouge. Ouais. Et tu vois, elle a compris. Il y a une grande leçon de fashionista qu'il faut tirer dans ce look et tout. Mm-hmm. Elle a compris que la robe contient tellement de détails. Déjà, le temps, c'est assez clinquant. Ça scintille et puis les franges et tout. Et c'est à peu près la tête au côté niveau accessoires et bijoux et tout. Elle a vraiment dosé. Ce qui donne ce côté assez minimaliste au look et tout. Et j'aime bien. Si, le look, ça va dans l'ensemble. Alors, tu lui donnes une note de combien? Un 6,50. Un 6,50. Moi, je lui donne un 5,50. Yes. Et nous passons au prochain look. Troisième look du jour, High Ballet en mono. Je connais pas cette marque. Ah. De nos jours, il y a toute une panoplie, il y en a tellement de marques et tout, et qui se démarquent les unes des autres. Mm-hmm. On ne peut pas tous les répertorier ou encore les cataloguer. Carrément. De jour en jour. Ça se voit nettement. Hein. Oui. Elle a vraiment une très très belle robe, surtout ses découpes. Hein. Oui, exactement. Ah. J'ai checké leur compte Instagram et tout, mais franchement, la marque, là, ils font des merveilles. Hein. Ah. Et je crois leur marque de fabrique sont les découpes, la symétrie, tout ce qui va avec. D'accord. Ouais. Non, on a pu ressentir à travers ce look et tout. Ouais, en tout cas, la robe est magnifique, ses découpes sont magnifiques, cette décolleté plongeante, la robe lui va super bien. Bien vrai que j'aurais fait quand même une petite retouche à la robe. À quel niveau? Au niveau du bas, peut-être. C'est trop simple.
ouais, pas trop simple, mais genre trop taille crayon pour moi, pour une robe de soirée, surtout de ce genre d'événement-là. Je ne dis pas que la robe, elle est belle. Hein. Je suis carrément d'accord avec cette robe, sauf que je dis que je ferais bien une petite retouche au niveau du bas de la robe. Certainement, peut-être, je ferais une traîne ou une Une fente, pointe. Genre, en tout cas, que la robe soit plus ouverte en bas. Que ça soit plus Que, abouti, voilà, on va dire. exactement, exactement. Mais le bas, tu as l'impression que c'est juste, voilà, laisser tomber. En plus que cette matière, elle est assez fluide, donc la robe, elle tombe, mais carrément. Le haut est magnifique. Hein. J'adore. De toute façon, j'adore l'ensemble. J'adore la robe. Peut-être aussi sa morphologie, qui sait. En tout Ouais, cas, parce que peut-être, ça peut-être. aussi, ça joue. Hein. Ouais, Ça joue ça joue. vraiment beaucoup. Sinon, dans l'ensemble, la robe, elle est magnifique. J'adore la robe. En tout cas, la robe, c'est une tendance des coupes des années 2000 qui a été remise au goût du jour et tout. Oui. La robe, elle est sombre et telle, avec un décolleté bien plongeant Bien plongé. et Bah oui, des carrément. découpes au niveau des hanches qui apportent voilà, ce côté assez décalé, sexy, très frappant et surtout sans effort. Ouais, carrément. Surtout, hein, là, sincèrement, tu sens vraiment la femme qui est sûre d'elle. Là, en même temps, cette posture qu'elle a, elle s'assume vraiment Bien carrément. sûr. Et sa coiffure, c'est très. J'adore. Ouais, je J'adore ses t'assure. mèches. Surtout Ça lui le va temps, super bien. la La couleur et tout. couleur, oui, le ton, Et vraiment, puis ça lui va c'est en super même temps à bien. sortir à sa peau et tout. Et elle, une fois de plus, elle a compris que Ah. la tenue a fait toute la Tout le différence. boulot, Elle hein? s'est pas pris la tête au niveau des accessoires et aussi des bijoux. Elle a opté pour des trucs assez fins, discrets et tout. Et puis voilà, on adore. Carrément. Elle a bien joué. Elle a tiré la bonne carte, on va dire. Oui, surtout. Alors, tu lui donnes une note de combien? Un Un 7. 7? Ah, aussi. Ouais. Ah, c'est aussi. Et nous passons au prochain look. Quatrième look du jour, Janelle Monáe en Roberto Cavalli. Mais là, tout ce que j'ai envie de dire, c'est quelle audace. Quelle audace, quelle inspiration. Oh là 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 là, non mais tout concorde. Tout va super bien. Et cette inspiration-là, de ouf. Tu vois, le haut de la robe, on dirait en même temps qu'elle a son harnais, on dirait qu'elle a un sac à dos. À cause de ces bandes qui sont au niveau de C'est un ses harnais. épaules. Ah, c'est ce qu'elle a? C'est un harnais au niveau du haut et tout. Ah ouais. Harnais fait en cuir. Ok, d'accord. Oh là là. Ouais. Non mais donc là, j'ai raison quoi. C'est une très très belle création en Ouais. fait qu'elle a là. C'est magnifique. En fait, j'adore le tout. Hein. Et même la couleur de ses cheveux, hein, sa teinture, ça lui va super bien, t'as vu? Oui. En fait, là, tu vois carrément le visage de Janelle Monáe. Tu ne voyais pas cette beauté en fait qu'elle avait. Je pense que là, elle a trouvé la bonne teinte. Oui, Mais ça exactement. lui va super bien. Ouais, j'avoue que sa teinte de cheveux la met tellement en valeur. Ça permet de faire ressortir son visage et tout. Oh. En même temps, en voyant son look, ça ne m'étonne pas, hein, vu ce qu'elle a eu à nous Ah. présenter jusqu'ici et Ouais, tout. dernièrement, Elle, oui. elle aime bien jouer avec sa personnalité et tout. Et puis proposer je dirais, des costumes, tu vois. Des costumes de scène, ce genre de trucs et tout. Des looks vraiment à thème et tout. Et elle est restée sur cette lancée, une fois de plus, à travers ce look et tout. Et j'adore la tenue. La tenue, elle est composée le haut est composé d'un cuir, d'un harnais en cuir Oh là là. et d'un décalque de rose qui a Oui, été placé celui qui est là, tout au milieu de là, tout au entre milieu les de la deux. robe. Et puis la jupe est faite de tulle transparente qu'elle a superposée sur ses sous-vêtements. J'ai pas voulu m'attarder sur ça et tout, sinon on va dire, ouais, le mec il est hyper pervers et Non, tout. Mais t'inquiète, il faut le dire, on a ouais, compris. c'est assez osé et décalé. Elle a Non, su mais détourner vraiment, très l'attention avec cette sincèrement, hein, robe. c'est pour ça que j'ai dit, mais quelle audace. Ouais. En même temps, ça lui va super bien. Tu sais, c'est assez sexy parce que la matière en bas, elle est transparente. Oui, et Mais puis on voit avec ses ces sous-vêtements espèces et de tout. Ouais. plis, tu vois pas carrément aussi. Hein. Je sais pas si tu as vu cette impression-là. Oui. En tout cas, c'est magnifique. Et tu as comme l'impression qu'elle peut tout simplement détacher le bas. Exactement. Oh! Et se transformer, quoi, tu vois. Ouais, bah genre comme Beyoncé sur scène, Sur scène, quoi. merci. À un moment, tu Raison enlèves pour laquelle, juste le tu vois, j'ai bas employé ce et. terme de costume tout à l'heure, là. Exactement, non Costume mais de scène, très carrément, quoi. sincèrement, la robe, elle est réussie. Bravo à Très abouti, Roberto, très ouais. sincèrement, c'est réussi. Elle est belle, la robe. Et je pense que d'une part, c'est le temps qui a totalement fait la différence. Hein. Ce Carrément. noir-là leur a Oh, facilité la ah, mais tâche le au niveau de la noir aussi, cette conception. couleur, elle fait tout en fait. Tu te casses pas la tête. Oui. Assure-toi juste d'être OK et Je puis la t'assure. couleur fait tout le reste. Je Très t'assure. sincèrement, il faut faire confiance à cette couleur-là. Ouais, mais Oh. franchement, elle, c'est une très belle femme. Chapeau. Et sincèrement, la robe, elle est belle, mais je m'attarde aussi sur sa coiffure. Vraiment, Sa la mise en teinte beauté, là. ouais. Non, mais la teinte là, je pense qu'elle a. Là, vraiment, elle aurait dû faire ça depuis super longtemps. Ça Ouais, lui c'est va clair. super bien. Cette couleur, oh, magnifique. Tu lui donnes une note de combien? Je devine ou pas? Oui. Allez. Comme si tu lisais dans Tu mes sais, pensées. Un 8. Ouais, je savais. Ah oui, franchement, toi aussi. Maintenant, on ça vaut a la compris peine. en fait.
on a compris, hein, Ouais. en même temps. Ça Ouais. fait combien d'années maintenant? 3 ans et des poussières. 3 ans des poussières, bientôt 4 ans. Ouais, bientôt 4. Wow. Ah, Bientôt 4 ans. c'est une longue histoire. Ça devient une longue histoire Ouais, et à maintenant, hein. titre de rappel, on est en train de faire. Là, on est à notre 228e épisode. Wow. C'est quelque chose. 228. Ouais, c'est quelque chose quand même. C'est quelque chose, Ouais. hein. Oh là là, on est fidèle, Très. hein. Toujours fidèle au poste. Toujours fidèle, carrément, Ouais. hein, ça me fait plaisir en même temps. Hein. Et bien, chers amis spectateurs, nous passons au dernier look. Cinquième et dernier look du jour, Billy Porter en Rick Owens dans un look que... Que Tu j'ai juste envie sais... de mettre à la poubelle, quoi. Tu D'envoyer à la sais... poubelle. Je sais pas si tu as vu la nouvelle tendance là, cette challenge-là. Ceux qui se moquent des défilés de mode là. C'est un Non. peu partout, sur TikTok, dans les Non. réels, sur Instagram. Ceux qui reproduisent ce genre de tenue, il y en a qui prennent des chaises, qui défilent Ah, avec, d'accord. des Oui, j'ai vu échelles. ça, j'ai vu ça. Exactement, j'ai Non, vu ça, j'ai vu c'est vrai, tu te marres ça. pas. Si, bien sûr. Non, mais, Il y en a écoute. même qui prend des sauts de poubelle et Mais tout. Qui, n'importe ouais. quoi, j'ai vu Si, un. si, Non, si, il si. J'ai vu un s'essuyait. réel Il y en a qui avaient sur une Instagram. échelle qu'il a mis au dessus. Non, mais le gars, il se. Non, mais. Après, il prend une chaise, il le met à l'envers. Il y en a qui a pris. Il y a une dame, elle a pris 2 balais. Ça, c'est juste pour se foutre de la gueule des créateurs, en Non, mais, non, fait. mais, non, mais, non, mais, sincèrement, ça fait plaisir de voir que les gens suivent quand même la mode. Oui, Sur ce l'attente. Ouais, côté, exactement. ça va, quoi. Mais d'un autre côté, ça te fait repenser à ce que font quand même certains créateurs. Non, mais Franchement, des souvent fois, tu tu. vois pas de ces tenues qui. Bien sûr, souvent tu te demandes d'où ce qu'ils partent chercher leur inspiration, en Et fait. qui va mettre ça? Merci. Même dans les films, je Mais c'est dis. normal, il y a des gens comme Billy Porter qui sont là pour mettre ce genre de trucs et tout. C'est ça qui les encourage, d'une part. Donc, Non, mais cette nouvelle tendance-là, même moi, je vais faire ça. On va créer un défilé, on va faire ça. Ouais, on va faire ça On va ici, mettre tu des vois. pots de fleurs là, des fauteuils là, Ouais, des chaises. Non, non, nous, on va prendre des trépieds. on prend des trépieds. On Ouais, prend des les trépieds des trépieds, caméras, là, ouais. on pique l'écran de Yas, Oui, on pique oui. le micro de Pape. Oui. Voilà, on défile avec. On défile avec. On a On même un tapis noir, là, tu vois. On a même un tapis noir, On là. tape pour défiler. Non, mais Ouais. là, 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 non, mais je me marre quand je regarde ce genre de truc. Non, mais en fait, c'est tout à quoi me fait penser Billy Porter. Je t'assure. Non, mais très sincèrement, je ne sais pas quelle idée, Il y je ne sais a, pas ce qu'il a eu. avant de le tailler et tout, il y a une chose on peut être reconnaissant envers lui et qu'on tient à faire ses éloges, c'est qu'il est assez fidèle à lui-même, à nous Carrément. servir des looks assez recherchés, assez Carrément. décalés et tout. Mais là, franchement, il s'est complètement loupé en termes de finition, en termes de rendu et juste en termes de beauté, quoi, tu Non, vois. mais je me rappelle pas de quel événement c'était, mais Ouais. je me rappelle même de la tenue qu'il a portée. Je ne sais plus exactement c'était quel événement, mais je te promets, même moi, quand je regardais ces défilés-là, je me disais, mais c'est quoi ces trucs? Mais qui va mettre ça? Et comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, Billy Porter, bien sûr. Bien Qui sûr. de mieux pour mettre ce genre de truc? Tu Mais je ne sais même pas à quoi il ressemble, en fait. vois, on dirait une mamie bossue qui s'est trompée d'adresse, en fait. Non, En mais fait, ce c'est qui me tue, ce ça. sont les épaulettes. C'est ça, en C'est fait, ça qui a c'est complètement là que. gâché la tenue, Mais en de toute fait. façon, même sans épaulettes, ses chaussettes ensemble ne ressemblent à rien du tout. Ça, très sincèrement, je comprends que dalle à ce qu'il a porté. Et En plus, pire encore, ça, le temps. ces mèches-là. Pire encore, le Et. temps. Non, mais non, Déjà, quand sa même. mise en beauté, c'est tellement affreux. Non, mais Dès que lui, j'ai quand vu même, sa tête, depuis qu'il s'est mis à se maquiller, ça va pas, hein. ça va pas. Ça va pas, je sais Tonton Billy pas. Porter, faut doser avec ta mise en Non, beauté, mais là, franchement. non, mais très Et quelle sincèrement. idée d'opter pour des tresses? Non, mais là, je sais pas à quoi il ressemble. En fait, Non, il me franchement, déçoit, le là. gars, il m'a déçu. Non, il me déçoit. Il me déçoit carrément parce Ouais. que quand même, il se démarque tout le temps. C'est un très grand fashionista, Billy Ouais. Porter. C'est quelqu'un qui s'inspire de tout et de Et rien, de qui te un, sort de ouais. ses looks démentiels. Et là, il nous sort ce sac à poubelle. Peut-être il y a une histoire derrière ce look et tout. Bon, moi j'ai pas On n'a pas, moi pris. j'ai pas envie de savoir. Ouais. Hein. Très sincèrement, j'ai Exactement. pas envie de savoir. Exactement. En fait, dès que moi j'ai vu la photo et tout, là, j'ai même pas En fait, tu été vas même tenté pas te casser la tête à d'aller faire des chercher, recherches pour avoir les sincèrement. détails techniques derrière la tenue et tout. Moi, à première vue, je pensais qu'il faisait le même challenge que ceux qui se moquent des défilés de mode. Je me suis dit ça, Genre, je me il a suis dit, ramené son challenge sur le tapis rouge ouais, des sur le Beach tapis rouge, Awards. quoi. Ouais, il aurait pu quand même se moquer un peu, mais pas porter comme ça. Là, on Mais a quand même les... l'impression qu'il est en train de se foutre de notre Ce gueule, Rick en Owens, fait. là, peut-être s'il y a un Il se film paie notre d'horreur, tête. il pourra. Ouais, surtout, Un surtout. film d'horreur, oui, Ouais, peut-être, il ouais. Il a pourra. été inspiré par un film d'horreur, sûrement. Certainement. Oh là là. Des trucs de zombies. Yeah.
Je sais pas. Moi, je n'ai pas de note pour lui. Hein. Je sais Ouais, pas pour une fois. Hein. Pour une fois, t'as raison. Non, franchement, ça me fait mal au cœur. Pour lui, surtout. Ça fait mal au cœur. Il Oh, nous a Billy. déçus aujourd'hui. Oh, tonton Billy. Et... Qu'est-ce qui t'est arrivé? Non. Il n'a pas de l'inspiration. Il a, ouais. Depuis qu'on sort de Covid, là, les gens sont quand même un peu perdus. on va dire que c'est effet Covid. On va dire que c'est ouais, effet Covid. C'est ça. Les inconvénients de notre prison. On était en prison. Ça a impacté sur sa créativité et son inspiration. Je pense que c'est ça. C'est juste que t'es pas malade. En tout cas, moi, je n'ai pas de notes. Et comme toi aussi, tu n'as pas de notes. Donc, on va tout simplement continuer et dire que l'émission touche presque à sa fin. Mais avant cela, on va quand même faire notre top et flop. Oui, sans transition. Sans transition directement. Donc, moi, mon top du jour, j'imagine qu'ils l'ont deviné comme à chaque fois. Donc, c'est Janelle Monáe, le quatrième look du jour. C'est mon top du jour. Et mon flop de chez flop du jour, c'est bien Billy Porter. Et toi? Moi, aujourd'hui, côté top, j'en ai ex-aequo. Je veux dire que j'ai Elle Al Bailey. J'ai Al Bailey et Janelle Monáe comme top. Et comme flop, c'est bien sûr notre tonton bien-aimé. Regrettable. Regrettable Billy Porter avec son look de mamie bossue. Là, qui s'est trompé de, d'événements. D'endroits, d'événements, de tout, hein. C'est dommage, c'est dommage. Ça me fait penser, genre sa tête me fait penser au personnage de, comment on appelle ça, le film là. C'est un classique et tout. C'est un film d'horreur, hein? Ouais, à mi-chemin. Voilà. Le Seigneur des Anneaux. Ah, Seigneur des Anneaux, ok, oui. Tu vois le petit nez. Oui. L'être qui a été maudit, un, un peu bizarre là, voilà, Déagol, voilà. C'est vrai que ça ressemble un peu à ça. En tout cas, il s'est trompé d'endroit, d'adresse et de tenue, de tout, tout, tout. C'est pas notre cher Billy Porter, ça. Je sais pas qui c'est, mais rends-nous Billy Porter, ok? Et au plus vite. Au plus vite, on en a besoin. Carrément. Ben là, c'est fini, hein? Ouais, c'est fini, bien sûr. Pourquoi tu es toujours là? Je pars. Tu vas partir, non? Non, en fait, j'apprécie la compagnie des téléspectateurs et tout. Je ne vais pas partir comme ça. On va d'abord mettre le jingle à la fin. Ah, d'accord. Et puis, ah, je vais partir. Parce que là, aujourd'hui, je suis perdue totalement. Déjà, j'ai mal aux yeux. Je ne vois rien du tout. Peut-être c'est la pluie d'aujourd'hui. Parce que en même temps, c'est la pluie. Tu le soulignes. J'allais vraiment clôturer par ça. Parce que quand même, il y a eu des dommages. Des dommages, surtout. Dommage, il y en a qui ont vraiment souffert et vraiment on les encourage, on est de tout cœur avec vous. La pluie d'aujourd'hui était intense. Ouais. En même temps, il nous fallait cette pluie. Hein. Oui. C'est une saison de pluie, on n'en a eu que deux, je pense, jusque-là. Et la première, c'était vraiment une pluie, c'était pas une pluie. Hein. Vraiment, c'était que des gouttelettes. Donc, ouais, là, je t'assure. Moi, mais j'étais agréablement surpris, mais j'espère, je prie Dieu en tout cas, qu'il n'y ait pas de perte humaine et tout. Qu'il n'y ait rien, surtout, pour ne pas citer des horreurs. Parce que l'inondation, les images qu'on a reçues tout à l'heure, là, c'est tellement grave, c'est effrayant. Ouais, carrément. Hein. Et on l'a vécu. Hein. Moi, j'ai galéré avant d'arriver ici aujourd'hui. J'ai fait pratiquement 3 à 4 quartiers avant d'atterrir ici. Donc, vous me rendrez mon transport d'aujourd'hui, l'essence pour l'essayer. Tu fais part de ça à la production. Tu fais part de ça à la production. En tout cas, comme on l'a dit tout à l'heure, on encourage tout le monde, on est de tout cœur avec tout le monde. On espère qu'il ne s'est rien passé de grave et on espère quand même qu'il va pleuvoir. Désolé pour ceux qui ne veulent pas, mais la pluie. Non, mais franchement, ça fait du bien avec la chaleur de Dakar, c'est pas la peine. Exactement, j'espère. Hein. Mais la nuit, c'est mieux. Ouais, la nuit, c'est mieux. Tu vois, tout le monde est à l'abri et tout. Grand barbu, il faut noter. On est en train de faire les prières. Donc, si tu dois pleuvoir encore, il faut que tu pleuves la nuit quand on sera au dodo. C'est bon? Amen. Je racontais une petite blague, genre une bêtise et tout. J'ai vu tout à l'heure sur Internet, il y a le compte officiel de Dieu sur Facebook qui a dit qu'il s'est excusé, qui a tweeté, qui a écrit une story pour s'excuser, pour dire non, on a un problème de plomberie en eau là-bas. Ah, d'accord, ok, fuite d'eau alors. Non, moi celle-là me fait pas rire. Hein. Tu sais, c'était la blague que tu avais vue là, ce que oui. Tu avais posté tout à l'heure. Oui, quand quelqu'un a dit, quelqu'un a écrit, non, j'ai essayé de chercher Wakam en vain sur Google Maps. Oh ben, parce que c'est inondé. Les Wakam, on ne vous trouve plus dans Google Maps. Hein. Votre quartier est rayé de la cartographie de Dakar. C'est quand même fou, hein. Il y en a qui ont de ces insérations de malades. Mais laisse-moi te dire qu'il n'y a pas que Wakam qui a disparu. Hein. Beaucoup de quartiers de Dakar ont disparu aujourd'hui de Google Maps. Hein.
J'imagine. En fait, les gens se sont vraiment attardés sur WhatsApp parce qu'ils sont des gueulards, en fait. Ce sont des gens qui aiment faire la gueule, la bouche, tout Ah ça. bon, ok. Là, je pense que c'était vraiment un message qu'il lançait à quelqu'un qui est ici d'ailleurs. Pas coucou, le Wakamwa. Et sur ce, chers amis téléspectateurs, nous vous donnons rendez-vous très très prochainement sur EFA dans Fashion Police Africa. Bye bye. Peace.